tout le monde. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, aujourd'hui c'est le nouvel an chinois et demain aussi. Donc, nous avons décidé de faire une petite vidéo toute simple. On est au bureau en bordel derrière, c'est super. Faire une vidéo toute simple sur. Parce qu'on va aller faire les courses là pour acheter des trucs chinois pour faire un hot pot. Et voilà, donc en fait en Chine on mange pas forcément du hot pot pour le nouvel an, mais c'est juste que nous on n'a pas d'argent, on est pauvres. Donc on n'a pas l'argent pour acheter plein de plats, donc on va faire ça, on va faire du hot pot. Et vous allez voir, en fait le hot pot c'est de la fondue chinoise, et vous allez voir que c'est très différent de l'image qu'on a de la fondue chinoise française. Donc voilà, donc on va aller faire les courses maintenant, et puis bah tout de suite. Donc ça c'est pour le hot pot, la sauce de base. On prend quoi? Pour ça? Oui, vas-y, comme tu veux. Du coup, ça, c'est épicé. Est-ce qu'il n'y a que plus épicé? Ça, c'est épicé, ah, non? Ouais, c'est toi. C'est toi. Je ne sais pas quelle différence entre les deux. Ok. Lequel est plus cher? C'est le même prix. Oui, ça c'est une marque en fait. Ok. Ça, ça c'est son bon plat à lui. Préféré. Moi j'aime pas. On va acheter des nouilles aussi, c'est de l'autre côté. Oh. Non, ça c'est le mouton. Donc ça c'est mouton et ça c'est bœuf. On aurait dû prendre un caddie. Hein. Ah, c'est bon. Oui. C'est quoi ça? Tofu. Tofu. Ok, vas-y. Attends. Et ça aussi. Ça. Ça c'est des. De l'humain. Ah oui, c'est ça. Ça aussi, sushi, non, c'est là. Non, on a chou. Ouais. Donc là, tofu, ça c'est son poulet. Ça c'est du tofu. Ah non, 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 c'est, je suis con. C'est des raviolis chinois avec des légumes. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est sûr. Oui. Hop. 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 Voilà. Oui. Oui, ça s'en met. Pour ce midi. Pour ce midi. Normalement il n'y a pas dedans, mais nous on aime bien en mettre, c'est trop bon. Ah, le sauce barbecue là, c'était trop bon ça. Quelle sauce quoi? Tu sais, le sauce qu'il avait ramené chez ailleurs. J'ai pas compris, ça c'est dans le bol là où il chaque. Ça c'est chacun, il pense, ça sert à rien mettre dans le truc. C'est ça? C'est ça? Ok. On a autre chose encore ou pas? Ah, on a plus de ça là. Ah oui, c'est lui. C'est bon. Je viens juste d'y penser. Concernant les nouilles instantanées, je vous conseille plutôt les grosses nouilles comme ça, qui sont un peu plus chères, genre presque 1€ tout ça, parce que la qualité est meilleure, elle est vraiment meilleure que les nouilles qui font genre que 50 centimes. Dedans, vous avez les nouilles,
j'arrive à l'ouvrir. Donc vous avez les nouilles bien sûr, hein, mais vous avez aussi trois sachets différents. Alors bon, moi j'ai pris couleur. J'ai pris goût. Goût. Poulet. J'ai pris goût poulet. Et donc vous avez genre donc la sauce. Tout ça c'est. Il y a un peu d'huile dedans, tout ça pour prendre mettre un peu de goût. Il y a des légumes. Qui sont donc il y a des petits haricots, des carottes, des petits pois, des carottes, tout ça. Et vous avez donc moi j'ai pris poulet, donc le poulet, enfin la garniture poulet qu'il y a là. Donc je vous conseille plutôt de prendre les gros trucs comme ça qui coûtent presque 1 euro plutôt. Enfin, en tout cas en goût ils sont beaux, vraiment meilleurs, ça c'est sûr. Donc voilà, donc là on a mis la sauce dedans. Donc cette sauce là qu'on avait achetée, on l'a mis dedans avec de l'huile et de l'eau. Alors on n'a pas pu vous filmer parce que c'était un peu la débandade, on était un peu genre qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc voilà, on n'a pas pu vous filmer, mais voilà, donc voilà le résultat final. Et maintenant on va tout ça, on va ajouter tous les petits plats qu'on a achetés. Voilà, donc c'est ça, c'est la soupe au milieu. Et vas-y, fais une démonstration. Donc tu prends tes aliments et tu les mets dedans. Voilà, et t'attends que ça chauffe. Donc là on a tout, on a les nouilles, bon nouilles normalement il n'y a pas. Voilà, les légumes et puis la viande là-bas au fond et tout au fond le lapin. Donc voilà, donc on attend que ça chauffe, n'est-ce pas? Bon appétit! Donc ça c'est la viande de bœuf. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des petites tranches en fait, comme ça, qu'on met dedans. Puis, on le met là-dedans. Et tu manges. Les gars, il est super content là. Voilà, donc bah, on s'est bien régalé en tout cas, c'était super bon. Et donc voilà, comment on fait un topo. Donc bah, la prochaine fois, vous pouvez en faire un chez vous, il n'y a pas de soucis. C'est super simple à faire, on met tout dans de l'eau avec la sauce. Voilà, bonne année et abonnez-vous, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires et likez la vidéo. Voilà, c'est bon, je...